Y a-t-il eu une attaque terroriste ou un incident lié à l'immigration en Suède? À en croire Donald Trump, oui. Le président américain, lors d'un meeting en Floride, a déclaré « Regardez ce qui s'est passé hier soir en Suède. La Suède, qui l'eût cru? La Suède !» Ils ont accueilli beaucoup de réfugiés et maintenant ils ont des problèmes. Mais dans un tweet, il a ensuite expliqué qu'il n'avait fait que reprendre des informations vues sur Fox News. La tweetosphère n'a pas tardé à réagir, moquant notamment le manque de sérieux de Donald Trump. Mais en Suède, beaucoup ont été consternés par ses propos. L'ex-premier ministre Carl Bildt a même déclaré « La Suède, un attentat, mais qu'est-ce qu'il a fumé ?» Le ministre suédois des Affaires étrangères a contacté le département d'État américain pour obtenir des explications. En 2014 et 2015, la Suède est le pays européen qui a accueilli le plus grand nombre de migrants en proportion par habitant. Mais les incidents liés à l'immigration y restent très rares.